Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD et plus précisément la campagne des Conquérants. Et on reprend, c'était la dernière fois dans la campagne d'Attila le 1. Pour petit rappel, nous avions fini d'envahir Constantinople. Donc Constantinople était bon. Et maintenant, nous attaquons la quatrième mission qui s'intitule Fiançailles barbares. Maintenant, je vais vous laisser avec la cinématique d'introduction comme on fait habituellement en début de vidéo. L'empereur d'Occident avait une sœur, Honoria, qui était lasse de rester confinée chez elle. Elle avait pris alors l'initiative absurde d'écrire à Attila afin de lui demander qu'il l'épouse. Sans doute ne réalisait-elle pas vraiment la portée de son geste. Attila comptait déjà de nombreuses épouses, mais il avait immédiatement vu l'intérêt de cette union. Changeant brusquement ses plans, il avait alors décidé d'envahir non plus l'Empire d'Orient à Constantinople, mais l'Empire d'Occident à Rome. En effet, il en réclamait la moitié à titre de dot. Attila avait envoyé les Huns de l'autre côté du Rhin, afin de s'allier avec d'autres clans barbares. Les Burgondes et les Ostrogoths l'avaient rejoint, alors que d'autres, comme les Visigoths, s'était rallié aux Romains. Lorsqu'Attila est entré en Gaule, c'est ainsi que s'appelait alors la France, il pouvait se prévaloir de venir chercher par la force ce que ses fiançailles avec Honoria lui octroyaient de droit. Encore une histoire de mariage. Donc battez Orient, Metz et la Bourgogne. Bon, bah, c'est habituel. Orient est la fille la plus fortifiée, Metz est la plus facile à prendre et la Bourgogne, vous verrez ce qu'on fera avec. Conseil, vos armées commencent à s'émietter, recherchez un emplacement pour votre camp de départ en évitant les loups. En plein cœur de l'hiver, le forage est rare, mais les cerfs affamés sont facilement approchés. Pas tant que ça, hein. Vous ne pouvez pas vous mesurer à la technologie franque, mais vous êtes plus nombreux à gâcher vos torts dans les villes de la Gaule. Ça c'est vrai, surtout à cause de leur cavalerie lourde en fait. Leurs unités sont assez lourdes, étant donné qu'ils sont en âge impérial. La Bourgogne entraîne des archers et des béliers avec une infanterie, mais elle n'est pas bien défendue. Elle peut très bien tomber sous une attaque anticipée. Les Burgondes sont facilement intimidés pour aisément se laisser persuader de revenir à la pousse des 1. Mais ce qu'on pense à la faiblesse de la Bourgogne avec une armée de chevaliers, de lanceurs de hachards château et la proximité d'Orient assure une protection. Orient est une ville rempart protégée par des tours et des châteaux. Son armée de lanciers, de chevaliers et moines peuvent constituer un réel défi pour rien. En gros, la Bourgogne, on va faire en sorte qu'ils viennent avec nous. Vos éclaireurs rapportent aussi que l'Empire romain d'Occident envoie l'armée Décius pour renforcer la Gaule. Les Romains n'ont pas de ville dans cette zone, mais leur région et Cataphracte peuvent frapper à tout moment. Alors en soi, la Bourgogne, on va faire en sorte que ça vienne nous allier. C'est pas trop compliqué encore. Nos troupes sont faibles et dispersées suite aux dernières attaques. Regroupons-nous avant de ravager la campagne franque. Ouais. Qu'on regroupe tous nos villageois au début de partie. Ouais, plutôt là. À savoir que les maps de neige apparaissent avec ce conquérant. Moi, c'est un environnement que j'adore. Cet environnement-là, enneigé, etc. C'est vraiment un environnement que j'aime bien. Tous les bâtiments qui sont dans des lieux enneigés, ben, on voit de la neige dessus. Je trouve ça agréable, comme les arbres d'ailleurs. Donc, le début de partie est assez simple. On a beaucoup de bois, on a beaucoup d'or, on a pas mal de pierres. Autant vous dire que niveau ressources, ça va. Ce qui est problématique, c'est la nourriture. On va chasser un peu au début. Une fois qu'on aura chassé un petit peu quelques troupeaux, ben, on arrêtera de chasser, on ira directement faire les fermes. Parce que de toute façon, on n'a pas la technologie pour rotation des champs. Or, ça n'a pas d'importance. Enfin. Faudra vérifier bien qu'on n'ait pas cette technologie. Donc là, on va partir. On a trouvé ici. Ici, le problème, c'est que j'ai. On comprendra assez vite. Or, le lac est gelé. Or, là, on voit de la glace. En gros, c'est. Vous pouvez passer dessus, mais vous pouvez construire aucun bâtiment sur de la glace. C'est un détail important à savoir, notamment quand vous faites des fortifications défensives. Alors nous allons construire ici notre moulin
Le second, j'hésite à le construire pour une raison simple. Nous sommes à côté de la Bourgogne, enfin des troupes bourguignonnes. Et j'aimerais éviter, si possible, d'aller chercher leur nourriture et en même temps de me retrouver en guerre contre la Bourgogne vu l'armée que j'ai actuellement. Autant dire que notre armée est plutôt en piteux état, honnêtement. C'est 3 cavaleries d'éclairage. C'est pas pour dire, mais c'est quand même pas grand chose. Hein. Bien évidemment, on a un loup qui va m'embêter, ça c'est habituel. Pas d'habitation. En fait, je regarde, là je vous explique, si j'étais en train de regarder si. Excusez-moi, je perds un peu la voix. Si les Huns n'avaient pas tué les loups en un coup, donc hussards, c'est bon. En gros, là, on a débloqué les hussards avec The Conqueror. On a débloqué les albardiers. En gros, c'est le niveau 3 des troupes d'infanterie de piquet. Totalement fumé, je vais pas vous mentir. Totalement fumé, mais. Enfin, contre la cavalerie, bien évidemment. C'est... Mais il fallait cette unité, honnêtement, en infanterie, c'est un excellent compte contre la cavalerie. Tactique part en plus, sera utile, mais c'est vraiment les albardiers qui vont jouer un grand rôle. La cavalerie d'éclairage, par exemple, maintenant on peut les améliorer jusqu'en hussard en plus. Vous aurez des cavaleries d'éclairage au niveau 3, plutôt puissant contre les moines, plutôt puissant contre l'infanterie d'archer, rapide, qui savent facilement spotter les adversaires. Tactique part sera très efficace pour contrer tout ce qui est unité de piqué également. Parce que ça vous rappelle, ça vous donne de l'attaque en plus contre les unités équipées de piques. Enfin, contre les unités de piquiers. Donc autant vous dire que c'est toujours un truc assez intéressant à prendre en note. Bon, ben on va se voir assez sous là, sinon il va nous embêter. Et si on va augmenter notre nombre de villageois pour avoir assez rapidement, ben. Les ressources qu'il nous faut, il nous faudra assez vite de la pierre pour avoir un château. Les deux gibiers là devraient être facilement attrapables. Par contre, le premier troupeau que j'ai voulu prendre, je doute de pouvoir l'avoir sans me taper les archers de la Bourgogne. Bon, on testera quand même, mais. Je suis pas trop optimiste, honnêtement. Sur ce coup. Après, l'avantage, en tout cas, si vous allez à la Bourgogne, c'est sur le long terme. La Bourgogne. Si vraiment vous avez vidé toutes vos torts et vous avez vraiment beaucoup de mal à prendre rien, la Bourgogne vous fournira une bonne rentabilité en or, étant donné que vous pourrez faire du commerce avec. Et bon, normalement, avec toutes les mines d'or qui sont à portée de chez vous, normalement vous devrez pouvoir faire la mission sans aucun problème. Ah bon, ça. Encore faut-il que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de soucis, mais. Comme toujours, hein, ce qui est prévu de base et ce qui va arriver, il y a toujours une grande différence. Donc à Bourgogne, il est facilement rasable, Metz est facilement rasable en même temps. Pour une raison simple, c'est que Metz a certes un château en défense, mais on se rend vite compte que il n'y a pas de fortification défensive. En gros, si je veux faire plus simple, c'est une ville ouverte. La Bourgogne n'a aucune fortification, donc c'est encore facile de la faire tomber. Quand je dis une ville ouverte, c'est qu'il n'y a pas de muraille pour bloquer les entrées. Et c'est ça qui pose un gros problème pour leur défense. C'est qu'à part Orléans, les autres villes, ben, vous envoyez vos troupes et voilà. Alors là, vous tombez sur le plus gros gisement de pierre de la map, qui est juste au-dessus de la Bourgogne. Gisement de pierre qui peut être très utile si vous construisez beaucoup de châteaux ou si vous laissez Orléans vraiment se développer, parce qu'Orléans n'hésitera pas à venir vous démolir vos fortifications. Après tout, ils vont faire des trébuchets, ils vont faire des lanceurs de hache, ils vont faire des paladins, ils vont faire des moines, ils vont faire des albardiers, je crois, en plus. Autant dire, toutes les unités suffisamment puissantes pour vous poser une grande menace sur le long terme. Il ne faudrait jamais ramener cette nourriture. C'est vraiment un souci après des... Ah, il y a... Ouais, non, vite. On va tester d'aller chercher. Oups. On va essayer de prendre cette nourriture là, mais j'en doute fortement. On va essayer, si jamais on soit attaqué, j'essaierai de replier et de perdre aucun villageois, c'est ce qui m'arrangerait.
Tu vas le faire. On va monter à 8 villageois en niveau nourriture, ça ira. Niveau nourriture. Niveau. On arrête la chasse et on va directement ramener nos villageois, ils vont faire la nourriture. Après il y a tout gibier là-haut, on peut toujours aller chercher au pire, mais. Je veux pas que ça soit rentable. Non, je pense aussi à construire des fortifications pour empêcher l'ennemi de rentrer. Mais bon, un château déjà, ça suffira amplement. A savoir s'il y a des moutons, je ne sais pas vraiment où ils se trouvent, les moutons, sur cette map, donc... C'est une bonne question, là. Peut-être que je devrais essayer de récupérer les cerfs que j'ai commencé à chasser, mais honnêtement, je préfère pas. Enfin, j'ai juste vérifié par l'interface de culture, j'avais un doute, mais comme je vous l'ai dit, on avait pas. Est-ce que pour rappel, j'en risque encore une fois à posteriori d'avoir fait le montage, d'avoir joué. Mais bon, c'est pas grave. Je pense mieux vaut que je fasse ça en posteriori et que vous ayez quand même quelque chose, plutôt que je vous laisse la vidéo actuellement comme elle est. Ce serait, je pense, moins agréable pour vous. Honnêtement, les murs, j'ai quasiment pas en fer. Les murs aussi ne sont pas affectés par la neige. Après, il y a un petit château avec la neige dessus. Château avec la neige, on aime la neige. Bon, là, j'ai un bâtiment. Le forum, on voit un peu de neige sur les cases où il y avait de la neige. Voilà, c'est vraiment ça qui est agréable sur ces maps-là. C'est des maps enneigées. Ça apporte en fait un autre aspect stratégique. C'est que vu qu'on ne peut pas construire sur la glace, vous l'aviez déjà vu la glace avec les Mongols. La neige aussi peut-être bien, j'ai un doute. Timo. Je suis en train de réfléchir, la neige. Non. La neige peut-être, mais j'ai un gros doute pour la neige. Je crois pas quand même. Je crois que la neige c'est un ajout de Conqueror quand même. Bah, je suis quasiment persuadé que ça n'ajoute de Conqueror, mais je suis trompé. Hein. Ça serait pas la première fois que je me trompe après tout. J'ai meilleur temps de partir des mines d'or. Non, j'aurais eu le souci. On va exploiter l'or. Il nous faut beaucoup d'or. Il nous faut aussi beaucoup de bûcherons. Mais bon, après, là, c'est un départ stratégique. Il faut savoir aussi que... globalement, dans les parties, bon, il y a des missions où je pars très agressif, d'autres missions où je pars très défensif, mais c'est... une fois que j'en aurai 10, ça sera bon, je pense, niveau bois. Je compte faire 20 fermes, donc 10, voire peut-être 15 villageois ou bois, pour être sûr d'en avoir assez. À Bourgogne, bon, comme vous voyez, il y a des étendards, bon, ça risque de deviner qu'il y aura un truc à faire chez eux pour qu'ils s'allient à nous. A mon avis, vous avez déjà votre petite idée de ce qu'il va falloir. Bon, en niveau d'armes de siège, on a uniquement le béguet de siège. Et trébuchet, bon. En soi, je vais pas vous mentir, vu comme moi j'utilise beaucoup les catapultes et autres, c'est pas dérangeant. C'est absolument pas dérangeant. 2 plus 3. Ce bug là, c'est affreux ce bug. Bon, en tout cas, moi j'aime bien les textures sous la neige des bâtiments. C'est un petit détail, je suis d'accord, mais sympathique. Là, je vais mettre sur du fourrage, donc il sera sûrement pas enneigé le bâtiment, mais avant, faire le mur. Ce petit mur là, mine de rien, est très important. Bon, on n'a pas accès au mur fortifié parce qu'on est lien. Mais ce petit mur, croyez-moi, a énormément d'avantages.
C'est que ça oblige, de toute façon vous avez deux entrées pour la petite portion là et la portion où j'ai mis le gelato. En mettant le petit mur, bah, vous évitez déjà qu'il passe par d'autres endroits pour venir chez vous. Donc c'est déjà d'une certaine manière une bonne vous obligez en fait à venir sur votre défense, c'est déjà une bonne idée. 8, je monte monté à... Voilà. Je vais faire... Là, on a 152 pop. Faut savoir qu'on peut monter jusqu'à 200 pop avec l'édition avec The Conqueror. Enfin, on l'avait encore en CD-ROM. Donc, on va passer une édition, pas l'édition AVG. Et vu qu'on peut monter à 200 pop, moi, je trouve que... À 75 de pop, je trouve que 12 villageois à nourriture, c'est suffisant. À 200 pop, 20 villageois à nourriture, je trouve que c'est le mieux. Après voilà, c'est l'avis personnel. Les forums, en avoir deux. Bon, maintenant vous pouvez même monter, si vous le souhaitez, vous pouvez monter à... Combien c'est déjà? 500 je crois. Bon, le souci c'est que le jeu est quand même mal optimisé pour 500 pop chacune des factions. Après là, c'est pas les ordis qui peuvent pas faire tourner, c'est le jeu qui est pas optimisé pour le faire tourner. C'est différent, mais le problème reste le même, c'est que le jeu a du mal à tourner à 60 pop. Déjà quand tout le monde a 200, c'est déjà pas mal. De toute façon, le Vampire 3 reprend le système que de 200 pop, hein, il prendra pas plus. Donc je vois pas l'utilité en fait de faire que les forums, faut savoir que c'est assez important quand, bon, dans le cas où vous mettez 500 pop, c'est ultra important les forums. On va faire plein. Pour une raison très simple, c'est qu'en gros les forums vont vous permettre de construire plus vite des villageois. C'est pas d'avoir 3, 4, 5 forums quand vous avez 3 à 500 pop. Ben il y a des. J'ai déjà vu j'avais des personnes avec plus de 50 fermiers, etc. Mais honnêtement, quand vous avez 500 pop, peut bien vous permettre d'avoir 100 personnes aux ressources. Quoi. Allez, 8. Voilà. Ouais. Après, il en restera 2 qui n'auront toujours pas trouvé preneur. Et ces deux-là qui n'ont pas trouvé preneur, je vais vous deviner pourquoi ils n'ont pas de place. Ben, c'est à cause de l'or. On n'a toujours pas exploité. Mais bon, là ce qui est important c'est d'avoir le bois pour faire des rotations en permanence de ferme. 215, 200. J'ai peur que ça se diminue trop vite quoi, c'est ferme. On va faire charrette à bras. Ça impactera tout le monde, donc ça aidera tout le monde. Ça c'est fait. Maçonnerie, ça bouffe du bois, je crois. C'est ça qui est chiant dans ma situation, c'est que... Le bois, faut vraiment que j'arrive à éviter trop d'en utiliser jusqu'à ce que j'ai mis ma liseur à implantation de ferme, quoi. Que sinon, j'aurai plus de bois et j'aurai plus d'eau. Enfin, si j'ai pas assez de bois, j'aurai pas de nourriture. On va en faire 5 de plus, bah, on va monter à 15. D'accord. Et tout ira mieux. D'accord. Mais absolument tout. Timo. Encore, bon. On va faire le forage, ouais. Mais ces mines-là auront été exploitées sans forage. Timo. De la pierre. Ah, il aurait dérangé, c'est. Donc là en tout cas je vous présente l'organisation, comme toujours quand je mets ferme, j'essaie toujours de maximiser le rendement des fermes. J'ai fait en sorte que les fermes aient le plus petit temps pour aller, enfin... Normalement il faudrait mettre un moulin autour de chacune des fermes pour que ça soit le temps maximal. Mais bon on va quand même peut-être pas exagérer quand même. J'ai déjà été bien gentil en... On tourne tout ça comme ça, on va éviter quand même d'aller plus loin. Quoi. Ça coûte
coûte de la... ça coûte du bois, tout ça, mais bon, j'ai pas le choix. Mais ce qui me lance déjà des assauts. Bon, j'ai un château qui va me protéger en, en partie, qui va renforcer mes troupes. T'as déjà des cavaliers. Bon, là on va reculer tout le monde. Je suis en train de perdre tous mes... C'est pas grave, je pourrais pas ça. Je m'occupe de ça sous là et je passerai après à l'âge impérial. Ouais, il a pris l'agro. Il doit chasser mon cavalier. L'âge impérial, voilà. Ouais, comme ça c'est mieux. Enfin là, je sais pas vraiment comment mettre le mur pour que ça soit plus efficient. C'est un deuxième château. On a viré à pierre pour le deuxième château. Mais bon, faut que j'en garde aussi pour faire un troisième château aussi. Donc, Et ce bug là qui est toujours aussi chiant, c'est affreux. Âge impérial, on fera deux trébuchets, on fera quelques d'arcan, on fera un petit peu de cavalerie d'archer et tout ira mieux. Croyez-moi, tout ira mieux une fois qu'on aura fait tout ça. Là, on a trouvé le marché. Le château est juste un petit peu à gauche du marché qui les protège, donc faut faire attention. Voilà, ce que je suis en train de vous montrer là. Il faut savoir qu'il y a des murs devant, mais ils n'ont pas fait des murs entièrement qui encerclent la ville. Ce qui est totalement débile, mais bon. Là, j'ai les sous ouverts, mais bon, c'est une connerie en soi. C'est pas dérangeant. On peut s'en passer, donc voilà. Voilà, là, on a 20 déjà en réimplantation. C'est déjà un bon moment. Et la Bourgogne peut aider un petit peu dans les assauts. A savoir que dans les béliers, vous pouvez mettre maintenant en garnison des unités d'infanterie pour ceux qui n'ont que The Conqueror, pas l'édition HD, je précise. L'édition HD depuis deux d'avant, vous pouvez le faire. Qui permet d'améliorer la vitesse des béliers, donc ça peut toujours être agréable. La sonnerie, c'est bien, là on va faire tout. Voilà, la hache, améliorer enfin la scie à deux bras. Ça, on va vraiment avoir une productivité en bois qui va fortement augmenter. Donc le bois. Bon, c'est bien, ça divise par deux côté de la technologie d'espionnage, ça. C'est-à-dire, ça coûterait quoi là? Ça coûterait que 4700. Tactique partout, oui, donc ça coûte. Nourriture, oui, ça on va faire. En tout cas, un vélo. Tactique partout. Ah non, c'est une forge que j'ai pas. J'avais toujours pas de forge à ce moment de la partie. Mais bon, c'est normal, de toute façon, je pouvais pas y faire une recherche. Comme vous voyez ici, on a rien en défense. On n'a pas mur fortifié, on n'a pas de tour de garde, pas de donjon, on n'a pas de tour à bombarde. Autant vous dire que c'est une faction que si vous voulez compter sur la défense, oubliez tout de suite parce que c'est pas son rôle. C'est une faction agressive, c'est une faction qui compte sur ses troupes pour gagner et qui veut pas se reposer sur les fortifications comme peut faire les teutons. Poisson, marché de cavalerie, tactique part. Alors, tactique part. Plus 1 d'armure, plus 2 de protection personnage, plus 4 d'attaque, plus 2 d'attaque. Pour les archers de cavalerie contre les piquets, plus 2 d'attaque des Mangudai contre les piquets. Uniquement. Leur coût est quasiment réduit aussi des archers de cavalerie de ma faction. Alors, tactique part, il n'y a qu'une. Là. Tactique part, la majorité des factions n'ont pas armure d'archer chaînée.
j'ai recherché depuis que j'ai filmé. Enfin, dedans, j'ai trouvé au bout d'un moment, j'ai retrouvé ça. En fait, il n'y a qu'une seule faction à ma connaissance qui a Tactic Part et qui a armure chaînée, c'est les Turcs en fait. Toutes les factions, les autres factions, Mongols, les Huns par exemple, là, ne l'ont pas en fait. Peut-être les Hongrois, mais j'ai un doute. Mais ça, de toute façon, on regardera quand on jouera à The Forgotten avec les Hongrois. Oui, pour ce... Il y a d'autres factions qui sont arrivées avec The Forgotten. Il y a les Hongrois, il y a les Slaves, il y a qui d'autre? Hongrois, Slaves, les Indiens, pas la Perse, l'Inde. Bon, et je sais plus deux autres. Donc là, les archers de cavalerie, vous voyez qu'ils coûtent bien moins cher qu'habituellement, parce que les archers de cavalerie chez les Huns coûtent moins 25% l'âge des châteaux et moins 30% l'âge impérial. Voilà. Autant vous dire que c'est des unités d'archi qui sont très économiques. Enfin, plutôt devrais-je dire, vous pouvez en fabriquer beaucoup de manière assez peu chère par rapport aux autres factions. Bon, faut bien aussi que la faction ait quelques avantages et quelques inconvénients. Voilà. Tactic Part permet d'avoir armure et la résistance à fond. La tactique part en gros, le plus sain d'armure et le plus haut de protection perçage, c'est ce que rapporte une armure de niveau 3 à vos troupes. Et que vous recherchez à la forge, vous pouvez avoir jusqu'à 3 d'armure, en plus, et plus 4 de protection perçage. Donc la tactique part permet, en gros, complète l'armure à chaîne maillée. Mais on porte en plus un bonus d'attaque contre les piquiers. Et oui, les piquiers. Pourtant, les piquiers. Voilà, donc les Byzantins, ils ont pas Tactic Part. Là, je suis en train de regarder lesquels ils ont. Les Espagnols non plus. Les Huns, bah, ils l'ont. Donc les Mongols, là, vous voyez, ils ont Tactic Part, mais ils ont pas l'armure armure d'archer chaîné. Les Turcs l'ont, par contre. Et ça, je m'en souviendrai que plus tard. Parce qu'en fait, j'avais oublié que les Turcs allaient prendre le contrôle de l'Empire Byzantin, en fait, ultérieurement. Ah, donc deux unités en plus pour l'or. Voilà, plus 3, la résistance est bonne. Et Tarkan, je les ferai en délite, puis après j'en fabriquerai plein. Ouais. Pas construire. Bête. Pas construire. Donc là j'ai déjà 20 archers de cavalerie. 10 archers de cavalerie. Attaque, précision, point de vie, vitesse de création. De toute façon, dans cette partie, enfin, de manière générale, quand vous jouez au jeu, faut. Ah, ce bug. C'est énervant. Je vais. Avec les 1, généralement, je fais du Tarkange. Je fais de l'archer de cavalerie. Généralement, c'est mes troupes majoritaires. Archer de cavalerie parce que ça fait une troupe à distance, mobile. Tarkan parce que ça a plein de PV, ça fait pas mal de dégâts au bâtiment. Et voilà, là on voit le château juste à... Enfin, on devine que le château est juste à ma gauche. Voilà. Là, ce qui me pose problème, c'est l'or, actuellement. C'est l'or, on n'a pas trop le choix d'infanterie. Ah, un Tarkan coûte 60-60. Un chevalier, c'est le... Enfin, une cavalerie standard. Des morts, je sais que c'est 75 de nourriture, en or, ça doit être 60. Bon, faut savoir quand même que les paladins sont plus puissants que les tarkans. Donc les unités adverses.
Mais en soi, le temps de développer les paladins et le temps qu'il faut pour avoir des Tarkans... Moi, je trouve que le choix est vite fait, quand même. Après, voilà, moi, j'ai un avis personnel sur le jeu, vous avez votre avis sur le jeu aussi. Voilà, là, en bois, on a largement ce qu'il faut. On va faire une deuxième équipe de mineurs. Déjà, en fait, là, la cavalerie, c'est bien beau. Bon, là, 11 attaques, je crois qu'un paladin a 14 de base, si je me trompe pas. Bon, en fait, l'écurie est forcément obligatoire, quel que soit l'appartement ou une faction de cavalerie. Parce que les démarrations qui sont uniquement présentes dans l'écurie. Par exemple, ligne de sang, c'est uniquement présent dans l'écurie. Je crois que c'est écuyer aussi, voilà, élevage, qui augmente la mobilité de vos cavaliers et aussi dans l'écurie. En gros, le bâtiment restera de toute façon. Épargnez-nous, vénérable. Nous nous joindrons à vous si vous nous versez 500 pièces d'or et si vous construisez un château dans notre ville pour notre défense. Donc là, je sais que c'est le début de la quête que je vous parlais. Donc déjà, donner 500 pièces d'or, puis après, la seconde partie de la quête, c'est de construire un château dans sa ville, et la Bourgogne, ça ira à nous. Voilà. C'est bon, par contre, Metz ne vous aura pas, c'est dommage. La ferme là qui a bugué. J'ai jamais eu ce bug là avec les fermes dans l'édition standard, c'est depuis l'édition HD que j'ai le problème là. Ouais, vous voyez le coup. Vous voyez le coup de quand je vends la nourriture, ça vaut combien? Ça vaut un bras. Vous m'étonnez que j'en abuse. Bah, le système de banque va bientôt être fait. Par contre, ayez en stock 650 de pierres pour pouvoir construire le château. Parce que vous avez que 10 minutes pour le construire.